Mais pour avoir toutes ces lignes, que devez-vous faire dès que vous arrivez sur le champ pour les avoir correctement, dans le bon sens Quand j'arrive sur le champ, je travaille forcément en ligne droite. Donc, pour ça, passage rectiligne. Je fais d'un côté de mon champ mon point A et à l'extrémité mon point B. C'est là où je vais commencer à planter. Une fois que ces deux points-là sont faits, programmés dans l'ordinateur, toutes mes parallèles à l'infini sont programmées sur mon écran. Donc la ligne blanche, c'est celle que vous suivez. Ici, c'est ce qu'il me reste à faire de ma terre. Donc, j'ai fait le tour et vous voyez les parallèles à l'infini, aussi bien à gauche qu'à droite, devant et derrière. Et ce qui est en bleu, donc, et c'est ce que tout vous avez déjà fait. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est travaillé. Et ce qui est en gris reste à c'est travailler. C'est ce qu'il me reste à faire sur cette terre-ci, en l'occurrence. Ah, mais ça va pas prendre des couverts. Bon, allez, il me dit que je suis au bout. Voilà, je peux redémonter. Ici. Après, on va vraiment voir la direction qu'il choisit. Je vais le faire chercher lui-même, tout seul. Automatique, voilà. Et ici sur mon écran, il me marque en précision. Donc je suis à 0, je suis pile poil. 0 cm pour l'instant. Ce qui nous fait gagner du produit. Il n'y a pas de deux fois de produit sur la même place. Une économie. La pollution du sol est limitée. C'est génial.